Les carabiniers du prince sont créés en 1817 comme une force de police. Ce n'est pas au départ la garde personnelle du prince, la garde du palais. Les carabiniers du prince de Monaco sont un peu comme les carabiniers italiens. Ils ont des tâches de police. Il y a une insurrection en 1821 à Menton. Et les carabiniers sont loyaux, sont légitimistes à l'égard de la dynastie des Grimaldi. Et pour récompenser cette loyauté, le prince Honoré V leur confie cette mission de garde du palais et de garde de sa personne à partir de 1822. Chaque jour, il y a une relève pour permettre, évidemment, entre la garde montante et la garde descendante, une passation de mission. Cette relève de la garde est devenue un des pôles d'attraction de la principauté, très photographié, très filmé, à 11h55 chaque jour.